Salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Oxyma. D'ailleurs dans le dernier épisode on avait continué notre maison et je vous avais demandé un petit peu ce que vous vouliez que je personnalise au niveau du mur de la cuisine. Et vous avez été beaucoup à être d'accord avec moi et à me dire qu'il fallait que je rajoute des étagères etc à ce mur. Donc du coup c'est ce qu'on va faire, on rajoutera par la suite des étagères. Mais dans cet épisode j'ai un tout autre programme, parce que j'essaye de faire un petit peu un épisode, on fait ce qu'on a besoin de faire, de la décoration, un petit peu de craft, et un épisode où on va faire de nouvelles choses, un petit peu d'action, plein de nouveaux trucs. Et donc dans cet épisode, déjà on va faire un nouveau craft, on va se crafter la Wand of Ground, donc c'est-à-dire la baguette de la nature en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Donc vous voyez, il nous faut deux os, du bambou, de l'or et de l'émeraude pour la crafter, ou un stick justement. Donc du coup on va pouvoir la crafter assez facilement. Il va juste nous falloir, voilà, deux os. On a dit un stick. Attends, parce que... Ouah, c'est le bordel dans cet inventaire. C'est le bordel. On va faire un autre coffre. On va faire un autre coffre à bordel. Eh, je vais faire le coffre à bordel parce que là j'en ai marre. J'en ai très très marre de tout ça. Regardez-moi tout ça. Allez, le bordel, ça va là-dedans. On va récupérer d'ailleurs ce que j'ai mis là, ça, voilà, ça c'est considéré comme du bordel. Tous ces blocs, hop, 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 voilà. Voilà, hop, le bordel, ça va là-dedans à partir de maintenant. Parce que j'en ai marre de voir tout ça dans mes coffres. Est-ce qu'il va y avoir assez? Oui, le coffre est déjà presque rempli. Oh my god, oh my god, record battu. Donc, on a les deux trucs là, il nous faut un emerald, ok. Ensuite, il va nous falloir un stick. Où est-ce que je peux avoir un stick? Oh, mais je sais, j'ai du bois dans mon coffre, il suffit juste que j'en crafte. Juste là, voilà. On va faire des sticks. Voilà, ça c'est bon. Je crois que c'est tout ce qu'il nous faut. Ah non, il nous faut un gold nugget. C'est bon, on a ça. Gold nuggets. Ah, j'ai du gold shard. J'ai pas de gold nuggets. Bon, bah, c'est pas grave, on va en faire. Hop. Voilà, pour ceux qui ne savent pas faire des gold nuggets, à mon avis vous savez tous, mais voilà, maintenant vous connaissez le craft. Alors donc, le bâton, l'émeraude, les deux os et le gold nuggets. Et nous avons la Wand of Ground. Et d'ailleurs c'est quoi ça? La Wand of Meaning. Oh, il faut qu'on la fasse. Ah mais il faut qu'on la fasse. Ou la Wand of Teleportation. Ou la Wand of Storm. Ou la Wand of Lighting. Ou la Wand of Light. Oh, la Wand of Light, elle est trop bien. Oh, mais en fait, elles sont toutes géniales. La Wand of Feeling. Oh my god, elle est trop cool. La Wand of Freezing. Oh. Oh, elles sont toutes trop bien. Je peux en refaire encore une. Je peux en refaire encore une. Laquelle je fais? Ah, la Wand of Meaning, ça me tente bien. Ça me tente bien, mais la Wand of Teleportation, la Wand of Lighting et la Wand of Storm, ça me dit aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais pas. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que sinon, je vais faire un truc que je veux pas et je vais être déçu. Oh, il commence à faire nuit déjà. On va aller faire un petit dodo. Hop, c'est juste là pour monter. Pouvoir de la force. Pouhou. Yeah. C'était trop facile de monter. Allez, on va faire un petit dodo. Et donc je vais vous montrer à quoi sert ce bâton magique, parce que vous allez voir qu'il est franchement sympathique. Il est franchement sympa. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour éviter de mourir de faim. C'est pour éviter de mourir de faim, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, je vais prendre ça, tout simplement. Et d'ailleurs, je me demande si... Voilà. Voilà à quoi ça sert. Ah, par contre, ça s'use. Ah, ça s'use, d'accord. Donc on va éviter de trop l'utiliser. Mais il me faut un... petit outil que j'en ai pas. Non, j'ai pas du tout l'outil. J'ai pas du tout l'outil. Donc on va en crafter un vite fait. Il me faut... Attends, on va éviter qu'il y ait un petit creeper qui rentre dans la maison quand même, parce qu'il y a des petits creepers un peu fourbes. On connaît maintenant. Tac, il nous faut ça. Ah, je suis désolé, je suis toujours malade les gens. À chaque fois, genre, je suis plus malade et ça revient et je suis re-malade. Et c'est assez relou d'ailleurs. Hop. Donc genre, par exemple, je fais ça, je plante ça, et là, hop, voilà, c'est poussé. C'est poussé, tout simplement, c'est génial comme arme, enfin comme bâton. Hop là, encore, hop là, c'est pas cool ça.
Moi j'adore. J'adore. Et on va même pouvoir s'amuser. On va même pouvoir s'amuser avec ce bâton. Tout simplement parce qu'on peut planter par exemple une canne à sucre. Et là on va pouvoir faire un truc drôle. C'est bon, il n'y a rien qui nous gêne. Attends. Hop, redevient de la terre. Super. Et là faire. Ah, là ça me plaît. C'est plutôt haut. Allez, on va faire pousser ça encore un peu. Oh mon dieu, c'est hyper haut. Ah, je me suis loupé. Le bolos. Alors. Non, je me suis encore loupé. Attends. Ya, j'arrive. Oh, c'est super haut. Ah mon dieu. C'est de la canne à sucre ça. Oh, diabodia. Attends, je vais plutôt passer là. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, quand même. T'imagines, on fait ça avec du cactus. Ça serait génial. Oh my god, c'est tellement haut. C'est tellement haut comme truc. J'ai même pas envie de le casser, tu vois. On va le garder comme ça en mode souvenir. Voilà. Le jour où on s'est amusé avec la baguette magique de la nature. Donc, du coup, je vais pouvoir reposer ça, j'en ai pas besoin. Ma wand, je vais la poser, puisque du coup, j'ai pas envie de la casser et de l'utiliser inutilement. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie qu'on aille dans le Nether. Et donc, pour aller dans le Nether, eh ben, il va falloir qu'on ait de l'obsidienne, chose que l'on a... J'avais cru entendre un monstre, chose que l'on a plus. Donc, du coup, on va faire une petite entrée de mine. Je vais faire ça. Hop, où est-ce qu'on pourrait faire ça? D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, ouais, Oxy, fais un balcon dans ta chambre. Donc, c'est pas con, on le fera ici, tout simplement. On le fera là, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est vrai, on a un petit truc. Ah ouais, c'est vrai que... où est-ce qu'on peut faire l'entrée de la mine? Bah, derrière la maison. Hein? Pourquoi se prendre la tête? Quand on peut faire simple. Voilà, on peut construire ça ici. Donc, du coup, l'entrée, ça serait là. Hop, j'ai une pelle, c'est encore mieux. Tac. Voilà, bah l'entrée ça sera là. Et puis je vais faire ça. Hop. Voilà. Comme ça. Ça aussi on va casser. Hop. Voilà. On met tous les blocs. Oula, le message qui va faire des toup 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 dans le micro. Hop, c'est bon, je l'ai rangé. Comme ça. Et voilà, l'entrée de la mine. C'est pas génial? Vous kiffez? Moi je kiffe. En tout cas, il va nous falloir des torches. Parce que vu que je suis un gogol, j'en ai pas pris. Donc on va aller récupérer ça tout de suite. Hop, hop. Donc ça va. Coffre à caca. Voilà. On va prendre du bois. On va en prendre 29, c'est très bien. Ensuite, il va... Punaise, je l'avais dit! Le téléphone! Hop! C'est bon, je l'ai jeté sur mon lit, vous l'entendez plus. du charbon... On va prendre ça, c'est très bien. Ensuite, on va faire des sticks. Voilà, 13, impeccable. Ce qui nous fait 62 torches, ce qui devrait être largement suffisant. Donc, du coup, je vais aller chercher de l'obsidienne. On se fait un petit accéléré. Je vous dis à tout de suite, les gens.
Ok, relais gens, donc, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé une grotte avec de la lave, et comme vous avez pu remarquer, on a de l'eau ici, donc du coup, je viens de concevoir un plan diabolique. Oh mon dieu, c'est diaboliquement diabolique. Regardez, vous avez kiffé mon plan, c'est même sûr à 100%, vous allez adorer, vous allez adorer. Par contre, faut juste pas se faire emporter par le courant, c'est tout ce que je demande, je veux pas mourir. Ok, c'est bon. Et voilà. Le plan diabolique. Moi, je suis diaboliquement diabolique. Hop, je rebouche ça avec un bloc de fer. Et voilà. Donc maintenant, on a de l'obsidienne à foison. On en a plein. Hop, ça, je vais pouvoir mettre ça là. Je regarde vite fait si on n'a pas 2-3 petits diamants dans les environs. Mais bon, ça n'a pas l'air. Par contre, on a du saphir. On a du magnifique petit saphir que nous allons récupérer. Voilà, super. Donc du coup, il faut... Oh, de l'adamantium. Ça aussi, c'est cool. S'il faut que je fasse toutes les armures, tous les blocs, tous les trucs, ça va être de la folie furieuse. Donc du coup, je vous fais... je récupère l'obsidienne. Donc il m'en faut une... Attendez. Pour le portail, ok. Bon bah c'est bon. Je récupère l'obsidienne et puis je vous dis à tout de suite. Ok, donc, maintenant qu'on a l'obsidienne, donc on va pouvoir... Waouh, calme-toi le sabre laser. On va pouvoir faire notre portail du Nether. Donc où est-ce qu'on va le faire? Où est-ce qu'on peut faire un magnifique petit portail du Nether? Pourquoi pas ici, tiens. Ah, mais ici, on aura peut-être d'autres projets par la suite. On va le faire à côté de la mine. Au moins, il nous dérangera pas. Ouais, au moins, il nous dérangera pas. Il sera très bien là où il est. Tac. On va mettre ça. Comme ça. Attends, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Ensuite... Vu que je suis un boulet. Voilà. Ça, voilà. Ça, on peut casser. Et maintenant. Tac. Tac. Voilà. Un magnifique portail du Nether. Pendant un moment, j'ai cru qu'il était trop petit. Mais en fait, non, c'est bon. Ça fait très bien l'affaire. Ouais. C'est bon. C'est un bon portail du Nether. C'est viable. Donc, on a encore 4 obsidiennes. J'ai fait exprès. C'est pour qu'on fasse la table d'enchantement par la suite. Il va nous falloir du diamant. Du diamant, chose que l'on n'a pas en ce moment, malheureusement. Mais on en aura par la suite, j'en suis sûr. Et de toute façon, j'espère qu'on en trouvera. Ça serait bête de pas en trouver. J'ai trop de trucs sur moi. Tac, la stone, on va la mettre là. Ok, j'ai trop de minerais. J'ai trop de minerais. Voilà, toi, là. Ah ouais, c'est vrai qu'on a nos briques. J'avais oublié nos briques. Hé, les briques! Je vous avais complètement zappé. Je vais vous mettre dans ce coffre. Voilà. Ah mais ouais, mais j'ai encore plein de blocs du coup. J'ai plein de blocs. Tac. Ok, je vais garder ça sur moi et je vais poser mes briques ici. Je vais poser ma brique là-dedans, moi. Je vais faire un gros caca. L'igro caca. Donc, il nous faut du silex. Est-ce qu'on a ça, du silex? Oui. Oh oui, on en a un. On en a un, le seul, l'unique, il est là. Il nous faut un petit peu de fer. D'ailleurs, on va faire cuire le fer là. Hop, comme ça au moins ça sera fait. On va faire le briquet. Voilà, génial. Ouais, c'est ça que je voulais faire, je voulais éteindre mon sabre. Parce que si je le laisse allumer tout le temps, il va finir par s'user hein, au bout d'un moment. Voilà, c'est bon. On a notre magnifique petit portail du Nether. Let's go. Oh, le bruit. Ah, excellent, le bruit de la téléportation dans le Nether, il est trop bien fait. Et nous y voilà. Ah, on a des Burning Blossom. Ok, donc là on a du quoi? Ah, super, on est directement à côté d'un donjon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, une pierre tombale, mais... Pourquoi une pierre tombale? Ah, mais non, je vais pas la récupérer, j'ai pas envie d'avoir une pierre tombale à côté de chez moi. C'est pas vraiment mon délire, les pierres tombales, tu vois. Ah, là, on peut rentrer dans le donjon par ici. Oh, oh, ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Allez, oui, et de 1. Ah, et de 2. Ah non, mince, je brûle, moi. Genre, moi, je peux brûler. Ouais, c'est bon. Je préfère ça. Je préfère quand je brûle pas. Ah, longtemps. Oh mon dieu. 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 Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ah, ils sont beaucoup. Allez. Aïe, aïe, aïe. Il y a du feu. J'en ai eu encore un de Blaze Road. Oh là là. Tous les Blaze. Non. Jamais de la vie vous me tuerez. Alors là,
T'inquiète pas que dès que vous spawnez, je vous démonte. Oh là là. Et ils sont beaucoup, hein. Mais c'est bien ici, ils sont coincés et tout. Et c'est juste à côté de chez nous, c'est génial. C'est vraiment génial. Bon alors, il n'y en a pas d'autres qui viennent? Allô? Oh, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Oh, j'ai failli brûler, mais j'ai pas brûlé. J'ai failli, mais j'ai pas brûlé. Bon, on est à 4, ça devrait largement le faire pour le moment. Puisque de toute façon, on n'est pas prêt d'aller dans l'end. J'explore un petit peu, je me dis qu'il y a, peut-être d'autres choses, quoi. Toutes sortes de choses à découvrir. Là-bas, on a de la glowstone. Ah, on a de l'herbe. Ah bah oui, c'est le truc du nether. Bah ouais, forcément. Oh, c'est quoi ça? De la flèche. C'est quoi ce truc? Peut-être ça se récolte à la pelle. Ça sert à quoi? Chunk of flesh. Ah, on peut crafter de la rotten flesh. Et de la flèche. D'accord, ok. Ouais, ça sert à... Ah, c'est super mignon comme truc. La chunk of flesh, d'accord. Bon, bah on peut manger de la rotten flesh avec ce truc. C'est super. Ça a vachement d'utilité, dis donc. Ah, je crois qu'il n'y a pas d'entrée par là. Il va falloir faire le tour. C'est pas grave, il y a d'autres passages. Ah ouais, il y en a partout. C'est trop beau. C'est trop beau comme bloc. Ah, remarque, on pourrait en faire pour décorer. Ça pourrait être très cool. Mais en même temps... Oh, salut toi. Vous allez bien? Vous faites votre petite balade matinale? Eh ben très bien, baladez-vous matinalement. Moi je vais aller là-dedans. Yo! Ok. Bonjour! Je suis rentré dans le donjon! Y'a quelqu'un? Ah, on a un petit creeper là-bas. Ah, on a un magma cube ici. Non, rien? Y'a rien du tout dans ces donjons? Mais comment cela se fait-ce? Ah, d'ailleurs, j'ai plus de nourriture. Ça, ça craint par contre. Il faut vraiment qu'on trouve des coffres. Normalement, il y en aura là-dedans. Ah, voilà. Quand on parle du loup... Ah, on en voit que j'ai pas pris ce qu'il faut pour me battre. Allez, allez. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Une selle. J'entends des bruits. Ah, ça me dérange. C'est toujours aussi écœurant, le nether. C'est dégoûtant comme endroit. Oh mon dieu! Ah, et puis je peux pas renvoyer ces boules, hein! Viens là, enfoiré! Viens te battre si t'es un homme! Enfin, t'es pas vraiment un homme, t'es plus un Blaze! Non, il viendra pas. Et nous non plus! Finalement, hein, finalement, on va partir. C'est pas grave, on aura eu quelques Blaze Road. On aura eu quelques Blaze Road, mais là. Il faut que je me casse! Vite! La sortie, c'est par où? C'est par où la sortie? Ça doit être par là. Oui, c'est ici. C'est bon, je pars. Oh oui! Notre portail est là-bas. Oh non! Allez, saute! Yes! On va réussir à s'en sortir! Vite! Vite! Ah non! Ça met en feu ces fleurs! C'est bon, je me casse! Téléportation! Ok, c'est bon. Wouh! Nous revoilà à la maison! On s'en est sorti. C'était compliqué, hein. J'ai cru qu'on allait y rester pendant un moment. J'aurais été vraiment, vraiment dégoûté. Bon! Bah du coup, les gens, on va se laisser ici dans cet épisode. On aura eu des selles. Enfin, on aura eu une selle. Et ça, ça va nous servir à l'avenir quand on aura notre dragon. Ah non, avant de se laisser, il y a un truc qu'il fallait que je fasse avec vous. Ça fait plusieurs épisodes que j'attends de le faire. Et on va le faire vite fait avant que l'épisode s'arrête, c'est pas grave, ça durera un petit peu plus longtemps. Je vais faire cuire ça parce qu'il me faut de la nourriture, là je suis vraiment en déche de nourriture. Hop, ça on va le déposer. Ah, j'aurais eu de la nether wart, c'est bon, on en aura eu, ça va nous servir, on fera des potions. On en aura besoin pour aller battre l'Ender Dragon, voilà. Allez, donne-moi ça. Allez, encore une petite dernière et ça devrait être bon. Et je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer avant qu'on arrête. Ah d'ailleurs, c'est quoi ça? La Wanda's Death, d'accord, c'est la baguette qui te permet de te suicider ou de tuer des ennemis. C'est par où? C'est le vert? Oui, ça doit être le vert. Ça doit être le point vert. Attends. Attends. M. Weapon. C'est... Ouais, c'est bien le vert. C'est donjon. Où est-ce qu'il est? Il est en dessous? C'est par où qu'on y accède déjà à ce... Parce que j'avais trouvé un donjon. J'avais trouvé un donjon. Mais je me rappelle plus par où on y accède.
Ça doit pas être bien loin. Ah, ça doit être là. Yes, c'est ici. Regardez. J'avais trouvé un donjon pendant le live. Donc on a la nourriture, encore une selle, du fer, un seau. La Beehorn Sword qui fait du 16 de dégâts. It's a bee the size of the horse. C'est des abeilles de la taille d'un cheval. Frost Strike, Dun Damage, Poison. C'est une arme trop chelou. On va utiliser ça. Là on a du fil, encore du blé, un aim tag. Encore une armure pour cheval, des gunpowder, une pomme en or, de la redstone et du blé. On va essayer cette épée là. C'est quoi cette épée? Du 16 de dégâts. What the fuck? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Y'a pas un mob là par là qui aurait genre 80 PV? Un mob s'il vous plaît! Que je fasse un test avant la fin de la vidéo! Remarque non! Je vais vous tenir en suspense! Je vais vous tenir en suspense pour savoir ce que fait cette épée pour le prochain épisode! Donc du coup, on va se laisser ici les amis. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Les liens de mon Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller me suivre et m'ajouter sur tous ces réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Sur ce, eh bien allez, salut à tous, c'était Oxylac et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.